découvert que j'avais une lésion médulaire, donc au niveau C1, donc la plus haute vertèbre. Et du coup, ça a atteint les 4 membres, donc j'ai une grosse fatigabilité sur les 4 membres. Et j'ai réussi à récupérer une petite partie sur le haut du corps, parce qu'avant, il faut savoir que je tenais pas assis. Et du coup, là maintenant, je suis surtout impacté sur les membres inférieurs, que j'ai pas du tout l'utilité. Ce premier contact avec l'eau, c'était vraiment quelque chose de spécial, parce que j'avais tout le temps l'habitude d'être à cette époque-là du coup en poussette, parce que j'avais pas le fauteuil encore. Et vraiment, je me sentais libre, parce que j'étais porté par l'eau, et ça faisait vraiment une découverte d'une nouvelle sensation. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai décidé de continuer dans la natation. Merci. Moi personnellement je suis très fière de lui. Donc c'est un gamin qui est très résilient, qui a toujours gardé le sourire. Il vient quand même de loin, donc je pense que c'est une belle victoire pour lui, je trouve, d'en arriver là aujourd'hui. Il est passionné de sport, donc c'est bien d'avoir pu, malgré le handicap, atteindre quand même un très bon niveau. Et nous on l'encouragera toujours dans ses projets. On a quand même un bon noyau familial. Même un peu élargi. C'est naturel de l'accompagner. Tant qu'on peut, tant qu'il est d'accord. Tu vas plus l'air d'accord. Si. De 2012 à 2019, j'ai nagé à Thionville. En 2019, j'ai choisi de rejoindre l'Académie Philippe Croizon à Vichy pour avoir des meilleures conditions d'entraînement. Depuis quelques années, je me lance des défis. Donc le premier, ça a été le défi des deux caps, donc 30 km dans la Manche. On a fait un relais. Allez Théo ! Allez ! Deuxième, c'était à Tahiti, la traversée entre Tahiti et Moorea, donc 20 km en relais, c'était en 2021. Et là, plus dernièrement, en septembre 2022, j'ai fait la traversée du lac Léman en relais. Et ouais, c'est 3 beaux défis où à chaque fois ça a apporté une saveur particulière et par contre la même émotion. Et au final, ça me fait des réussites pour l'objectif à long terme qui est les Jeux paralympiques.